est un fait que le monde est divisé en deux camps, sans compter ceux qui ne sont ni de l'un ni de l'autre, et que ces deux camps qui se dressent face à face, l'un d'entre eux est plein de prétentions et d'ambitions. Le bloc soviétique manifeste tout le temps, à chaque instant, à toute occasion, la volonté d'en arriver à dominer le monde libre. Or, nous sommes du monde libre et nous entendons y rester. Et les hommes libres qui veulent rester libres n'ont pas à céder aux sommations, aux menaces, aux dictats que d'un certain côté on dresse devant eux. La politique de la France à cet égard est aujourd'hui d'être prête aux conversations, comme on dit, aux négociations sur les problèmes du monde, et qui sont très graves, mais seulement lorsque les menaces seront écartées, lorsqu'on ne nous sommera plus et lorsqu'on acceptera de causer d'une manière digne et convenable. Voilà quelle est actuellement, dans cette grave conjoncture mondiale, la politique de la France. C'est la politique de la dignité et c'est la politique de la paix. Nous souhaitons qu'il naisse une Algérie qui en soit une, mais nous souhaitons aussi qu'elle coopère avec la France, comme tout commande que ce soit. À cette coopération-là, la France est prête. Elle est prête dans tous les domaines, économiquement, techniquement, culturellement. Mais en contrepartie de tout ce que cela comporte pour elle, de choses à fournir, d'hommes et de ressources, en contrepartie, elle réclame d'abord que la communauté d'origine européenne qui se trouve en Algérie ait ses droits et ses garanties, et puis d'autre part que les intérêts vitaux que nous avons, en particulier le pétrole, le gaz du Sahara et nos communications transafricaines, soient elles aussi assurées. Là-dessus, nous sommes prêts à parler du jour au lendemain. Et si, comme on peut l'espérer, je le dis, cela se fait, il est fort possible que l'on arrive à un accord qui alors serait l'accord réel entre toutes les tendances qui comptent en Algérie, à condition surtout que nos compatriotes européens, ceux qui sont de la même souche que nous, comprennent à la fin des fins leurs devoirs et leurs intérêts, et qu'ils se joignent à la France pour réaliser cette grande œuvre de coopération franco-algérienne qui nous attend demain. Je le répète, si nous aboutissons, comme on peut l'espérer, à cet accord entre la France et l'Algérie pour la coopération de demain, je crois que nous aurons fait une bonne œuvre, une bonne action nationale et une bonne action internationale.